Yop, Nestor, mais parce que. Rien, j'en peux plus. À chaque fois, j'arrive pas à faire mon intro. C'est quoi ça? Yop, mon espoir. Rien, j'en peux plus. Yop, mes j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je fais une vidéo de. Je vais raconter. Enfin, je vais vous parler de mon année scolaire de 6e. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de lâcher, de commenter, de... Bon, j'arrive pas à parler, de lâcher des commentaires et tout, tout. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche de notification. Moi, en tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bise. Oui, je suis bizarre. Bisous. Re les potes, du coup, mon année 6e. Bon, déjà, je suis tombée dans une classe de début. Donc, ma classe... Il n'y avait personne que je connaissais. Enfin, si, il y en avait un seul. Et genre dans la classe, je sais pas pourquoi, je me suis mis à côté d'un garçon au début. En mode. En mode, je. Bon, laisse tomber. Je me suis mis à côté d'un garçon. Tu vois, au début, je me suis mise sur une table toute seule parce que je connaissais personne au début, tu vois. Et en mode, je me suis mise dans une table toute seule. Et genre là, il y a un garçon, il arrive, il se met à côté de moi. J'étais en mode vénère. Encore ça va, je le connaissais. Et il était en primaire avec moi. Et en maternelle, je crois. Il est... Non, il n'était pas en maternelle avec moi, je crois. Ouais, si, je crois. Ouais, bah, je sais pas. Je sais plus. Bref, en tout cas, mon année, bah, du coup, là. Et ça commence, genre, les profs. Genre, en gros, après, j'ai changé de classe. Je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est trop long. En mode, comme une conne, j'ai pas dit à la prof et tout quelle langue je faisais. Et du coup, bah, j'étais dans cette classe. Et du coup, on m'a changé de classe. Et en mode, j'arrive dans la classe et tout. J'arrive dans ma nouvelle classe. Donc au début, ma vraie classe était 6e 1. Et là, je me retrouve en 6e 3, du coup. Et du coup, voilà. Et en mode, comment dire qu'en fait, je suis dans une classe. Et en mode, il y a des cassos dans ma classe. Encore, ça va, il y avait deux filles que je connaissais depuis la maternelle. Donc encore, ça va, j'avais des amis, tout ça. Je me suis fait des amis. Et en mode, j'arrive et tout, me dit... Waouh, salut et tout. En mode, il me parle et tout. Genre, en mode, je le connais pas, il me parle direct. Et genre, en mode, j'étais choquée. Et en mode, enfin, voilà. Et, enfin, c'est tombé quoi. Mon année, elle était un peu. Enfin, en mode, mon année scolaire, en fait, au début, genre, je me faisais harceler. Genre, en mode, il y avait une fille et tout, et un garçon. Je me faisais harceler. Au début de l'année, j'étais à côté de. Bah de ceux qui... En fait, c'était une fille et un garçon qui m'harcelaient. Et les deux là qui m'harcelaient, bah j'étais à côté d'eux en classe. Genre, c'était une table de trois. Et genre, moi, j'étais au milieu. Et sur le côté, il y avait bah, le mec qui m'harcelait. Et sur le côté, la meuf qui m'harcelait. Du coup, en fait, j'étais à côté des deux harceleurs. Du coup, bah en fait, j'étais un peu dans la D. Et le pire, c'est qu'en fait, ils fouillaient ma trousse. Et genre, en mode, ils me critiquaient. Genre, ils me disaient, ouais, t'es pas belle et tout. Regarde comment tu t'es habillée et tout, gnagnagna et tout. Genre, en mode, ils me critiquaient. Et en mode, moi, je le disais au prof, tu sais. Je suis en mode, je lui disais, ouais, ils arrêtent pas de me critiquer. En mode, le prof, il me gueule dessus, il me dit, ouais, bah, c'est pas le moment, en fait, t'as rien. Et en fait, j'étais nouvelle, et le prof, il me gueule dessus aussi. En mode, le prof, il est pas content et tout. Il me crie dessus alors que je suis nouvelle. Enfin, laisse tomber. Genre, en mode, tu vois, j'ai mes cahiers et tout. Et il m'aide même pas. Genre, en fait, il s'en fout, il me crie dessus. Bref, je vous explique la suite dans même pas 2 minutes. À toutes. Et du coup, et en mode, genre, le prof, il te connaît pas, il a pas à te crier dessus, genre, tu sais pas ce que tu veux faire dans ton cahier, bah, tu lui demandes. En mode, il a été gentil avec moi, ça va. Mais, enfin, ma classe, c'était une classe de cassos. Genre, en mode, en fait, on avait un emploi du temps, et le lundi, on avait anglais, et après, on avait AP métier avec notre prof principal, et lui, il arrivait tout le temps en retard. Donc, du coup, nous, on faisait quoi? On jetait les chaises par terre, on faisait le bordel et tout. D'ailleurs, il y avait tout le monde qui sortait leur téléphone, genre, en mode... Ouais, youpi, on est en train de parler aux gens et tout. On était comme ça. Et genre là, style, il y avait ma prof d'anglais là. Elles étaient deux, je te jure, c'était les pires profs d'anglais. Elles étaient hyper strictes avec nous. Genre en mode, elles nous disaient, ouais, vous faites pas de bruit quand on part, d'accord? Vous faites pas de bruit, rien. Genre en mode, on faisait du bruit et tout, j'en criais. Après, il y a un moment, il y en a une, les profs, elles sont arrivées. Et elles ont dit, tu me passes ton carnet, 1 heure de colle. Genre, moi, j'ai eu 0 heure de colle. J'ai juste eu des mots pour mes devoirs. Et voilà. Sinon, j'ai pas eu de mots pour parler ou je sais pas quoi. Parce qu'en vrai, en mode, en classe, moi, je suis sérieuse, tu vois. Genre, je me mets à côté de quelqu'un qui parle pas. Qui parle un peu, mais genre, pas hyper beaucoup, tu vois. Parce que sinon, je suis en mode. Je sens que lui, je vais lui mettre une pêche. Genre, en mode, je suis comme ça, moi, tu vois. En mode, voilà. Et mon bulletin, on n'en parle pas, je l'ai pas reçu. Mais j'ai, en vrai, j'ai géré, en vrai. En fait, genre, moi, mon bulletin, genre, ça fait
Je monte. En mode ça monte, après ça descend. Non, en mode ça monte. Deuxième trimestre ça monte. Et troisième trimestre ça descend vu qu'après c'est les vacances. Du coup, voilà. Mais j'ai eu des verts, voilà. Pire maths, enfin pire matière c'est les maths. Donc du coup les maths, j'ai eu des verts, mais il y a eu des fois où j'ai eu des mauvaises notes, vu que je suis pas très forte en maths. En français, j'ai eu que des verts, vu que je suis trop forte en français. En anglais, j'ai eu des verts et des rouges. Enfin, ouais, ça dépend en fait. Les évaluations, les quatre évaluations que j'ai faites. Enfin, les deux évaluations que j'ai faites, j'ai eu que des verts. Sur tous les exercices, pardon, parce que là, je sais pas parler en fait. Genre, je bégaye. Après, technologie, enfin, laisse tomber, j'ai eu 1 sur 5 sur un contrôle. Purée. Moi, la techno, j'apprends pas. Flemme. Après, géographie, il y a des efforts. Parce qu'en mode, au début de l'année, c'était hyper nul et tout, deuxième trimestre et tout. Mais troisième trimestre, on a fait une évaluation. Et le prof, il nous a laissé une chance. Il nous a dit, vous faites l'évaluation là. Si vous avez une mauvaise note, vous avez le droit de la recommencer une deuxième fois. Et la deuxième évaluation où il y a la meilleure note, et ben, vous l'aurez sur votre bulletin. Et moi, j'ai eu un A+, en mode, j'ai eu un 10 sur 10. Oh là 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 là! Je suis trop contente, genre en mode histoire géo de base, c'est pas mal. C'est la matière que je déteste le plus. Donc le prof il a une voix de berceuse, du coup on s'endort. Enfin, laisse tomber le bordel quoi, on s'endort. Du coup voilà, j'ai eu un A+ en histoire géo, j'étais trop contente de moi et les parents ils étaient trop contents et j'étais hyper contente pour moi-même, genre en mode j'ai passé ma meilleure vie. Après, il y a quoi comme matière? Science et vie de la Terre, bon, on n'en parle pas, je suis nulle. Déjà, on apprend des sujets hyper gênants. Genre, on est gêné en classe quand on parle de la science et tout, parce qu'en fait, on apprend des sujets. Comment dire? On apprend des sujets un peu. Vas-y, je sais pas comment dire, mais on apprend des sujets un peu, voilà. Un peu bizarre, on va dire. En mode. Bref, voilà, c'est bon. On apprend ça en SVT, du coup, on est tous gênés. Enfin, en fait, en vrai, ça va. Genre, j'ai un bulletin plutôt pas mal. J'ai eu des cassos dans ma classe, mais ça, dans tous les cas, vous en aurez partout. Donc, du coup, voilà. Et les gars, en fait, dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous êtes déjà fait harceler. Parce que, vraiment, ceux qui harcèlent, enfin, vraiment, c'est pas bien. Hein, vraiment, vous allez avoir des problèmes. Hein. Genre, même moi, il y a une fille, elle m'a harcelé. Bah, même moi, je me suis battue avec elle. Genre, je l'ai tapée et tout, en mode, j'étais vénère. Genre en mode, je l'ai tapé. Elle m'a mis une baguette, je suis tombée, j'ai saigné à cause d'elle. Elle m'a insultée, je l'ai insultée. Il y a un garçon, il disait, gna gna gna, je t'aime pas, gna gna gna. Du coup, bah, je lui ai dit, bah vas-y, viens devant moi. Je me suis fait frapper, je me suis fait pris une tarte. Voilà. Du coup, bah, je l'ai tapé, rien. Bref, il m'a rendu le coup. Du coup, j'ai. Mes bagues, elles ont failli se décoller. Après, j'ai eu une pote à moi, elle me saoulait, je lui ai mis une baguette, elle m'a mis un coup dans l'œil. Bref, laisse tomber le bordel. Frérot, elle a failli me crever un œil, là, je crois pas. Elle veut que je meure ou quoi? Après, en primaire, quand j'étais en CM2, je me suis ouvert. Du coup, j'ai failli mourir, on va dire, mais j'ai eu de la chance, du coup. Enfin, laisse tomber, il s'est passé des aventures de fou. Bref, du coup, c'est la fin de la vidéo, les potes. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'oubliez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Enfin, faites tout le maximum, s'il vous plaît. En tout cas, mettez un maximum de j'aime et dites-moi en commentaire si vous êtes fait harceler. Je me suis harcelée pendant, je sais pas, 6-7 ans. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!